Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous poursuivons encore dans l'attente, ou pendant que vous attendiez dans la salle de Dieu. Bien-aimés, dites-moi simplement, qu'attendez-vous de Dieu ? Attendez-vous qu'il enlève un problème, qu'il réponde à une prière, qu'il aplanisse un chemin dans un endroit où il semble impossible d'y avoir, financièrement, physiquement, relationnellement ou professionnellement? Peut-être avez-vous attendu Dieu pour amener la bonne personne? Peut-être avez-vous attendu Dieu pour transformer une crise en victoire? Attention, Dieu ne vous a pas oublié. Un retard n'est pas un refus. Bien-aimé, il y a une grande différence entre non et pas encore. Plusieurs fois, Dieu dit pas encore, mais nous pensons qu'il dit non. C'est pourquoi la réaction la plus commune dans la phrase de retard est le doute. Nous commençons à penser, peut-être que j'ai raté la vision de Dieu, peut-être que Dieu a changé d'avis, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Mais encore une fois, cher bien-aimé, un retard n'est pas un refus. Un retard ne détruit jamais le but de Dieu dans votre vie. Bien-aimé, Dieu accomplira son objectif dans votre vie si vous n'avez pas peur. Ne vous inquiétez pas, ne vous découragez pas et que vous n'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.